Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes nouveau, bienvenue sur ma chaîne Décor Life by Nana. Et n'hésitez pas à vous abonner, mais surtout activez la petite cloche, comme ça vous recevrez une notification à chaque fois que je poste une vidéo. Et si vous êtes ancien, bienvenue encore une fois de plus. Merci d'être là, vous êtes vraiment génial. Mouah, merci. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un mini haul déco. En fait, j'avais dit que j'allais pas vraiment faire des achats, j'allais pas acheter des articles de décoration pendant les soldes. Mais j'ai quand même été faire un petit tour chez Zara Home, enfin un petit tour, non, plusieurs petits tours chez Zara Home. J'ai acheté des trois trucs, alors je vais vous montrer. Je commence par ce plateau, ce magnifique plateau. En fait, mes amis sur Instagram connaissent l'histoire de ce plateau. Si vous voulez connaître l'histoire de ce plateau, n'hésitez pas à aller jeter un œil sur mon compte Instagram. Il est vraiment magnifique, il est très beau. Il m'a coûté 29,90 francs, alors qu'à la base il coûtait 49,90 francs. Donc je l'ai eu pendant les soldes. Je suis vraiment tombée amoureuse de ce plateau. J'ai déjà pas mal de plateaux de décoration, mais ce plateau, non, ça m'a rendue folle amoureuse. Alors j'ai pas hésité de le prendre. Il est vraiment magnifique. Je vous mettrai aussi une photo. J'ai déjà posté une photo sur Instagram avec ce plateau sur ma table basse. Donc je vous montrerai tout ça. Il est juste vraiment magnifique. Et là il y a juste un verre au-dessus de motifs. Et il est magnifique. Il est très beau. Moi je suis vraiment non, je suis folle dingue de ces plateaux. Vraiment il est trop beau. Donc voilà. Ensuite chez Zara Home toujours, donc je me suis acheté ces deux têtes d'oreiller. C'est en blanc et gris. Ils m'ont coûté 12 francs la paire, alors qu'à la base ils coûtaient 39,90 francs. Et je n'ai pas pris les draps qui vont avec parce que j'avais vraiment pas besoin. C'était d'oreiller, en fait je vais le mettre avec un autre drap que j'ai acheté, je vais vous montrer tout à l'heure. C'est pour une autre vidéo que je suis en train de vous préparer, je vous dirai ça, je vous dirai tout ça par la suite. Donc je suis vraiment très contente, elles sont juste très très belles, elles sont vraiment magnifiques ces deux têtes d'oreiller. C'est du 50/75. Vraiment magnifique. C'est différent, hein. L'autre c'est tout blanc et puis il y a deux bandes grises au milieu, et l'autre en fait c'est vraiment du blanc et du gris mélangé. Je sais pas si vous voyez, vous arrivez vraiment à bien voir à la caméra à cause de la lumière, mais en tout cas elles sont magnifiques, très 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 jolies. Je suis fan de ces d'été d'oreiller de chez Zara Home, c'est tout ce que j'aime. C'est les couleurs de ma chambre. Moi dans ma chambre il n'y a pas 10 000 couleurs. J'ai que du blanc et du gris et un petit peu une touche de couleur de temps en temps. Et j'ai hâte vraiment de voir ce que ça va donner sur la prochaine vidéo que je suis en train de vous préparer. Donc voilà, on continue toujours chez Zara. Je me suis acheté également ce bouton de tiroir en doré. Ils m'ont coûté 5,90 francs, alors qu'à la base il coûtait 15,90 francs. J'ai acheté ces boutons tout simplement parce que j'ai un meuble de chaussons juste à l'entrée de mon appartement, et j'ai déjà des boutons sur ce meuble là, mais comme j'ai un petit plateau en doré qui est posé juste au-dessus du meuble en question, et je me suis dit que ça pouvait bien être assorti avec les boutons ici, donc je les ai pris et puis on verra bien qu'est-ce que ça va donner. Et ensuite mes derniers achats de chez Zara, c'est ces housses de coussin. Je sais pas si vous arrivez vraiment à bien voir, je vais essayer de trouver. Voilà, ces housses de coussin, j'ai acheté ça pour mes garçons. Ça m'a coûté 5 francs la pièce. C'est pour la petite déco du lit de mes garçons, donc un pour chaque lit. Et je trouve ça vraiment joli, je trouve les dessins, les motifs, la couleur surtout, c'est du bleu clair et ça s'adoucit, c'est vraiment beau. Moi j'aime bien, c'est vraiment magnifique. Donc voilà, ça c'est pour mes garçons. Et je pense que pour Zara on a fait le tour, hein. Comme je vous ai dit, c'est un mini haul, j'ai pas fait de folie, j'ai été sage. Et on va vite passer chez Conforama. Alors chez Conforama, j'avais pris ce long plateau ici, hein, il est vraiment magnifique aussi. Il coûtait 9,90 francs
9,95€, je ne sais pas si vous arrivez vraiment à voir, voilà. Il coûtait 9,95€ et je l'ai eu pour, à 50% et je suis vraiment très contente. Ce plateau ici, je le mettrai sur ma table salle à manger, mais je ne vais pas le laisser tel quel, je vais le peindre en noir et ensuite je mettrai une tranche de miroir ici au milieu. Et je ne sais pas si je vais aussi mettre des tranches de miroir de côté, en fait je verrai bien comment au moment opportun. Mais voilà, j'ai hâte vraiment de les peindre et puis mettre des tranches de miroir et voir comment ça va donner. Et quand je vais les faire, je vous ferai aussi une vidéo, je vous prépare une série des DIY parce que j'ai pas mal de petites choses à modifier. Donc je vous prépare tout ça et quand je les ferai, ben, je vous montrerai. Donc voilà, il est vraiment magnifique, il est très beau. Moi je suis fan, comme vous me connaissez, je suis fan de plateaux, j'aime beaucoup les plateaux décoratifs. Et ensuite, toujours chez Conforama, je me suis acheté aussi ces coussins ici. Ah, je me suis acheté aussi ces coussins ici. Donc j'en ai pris deux. Ça m'a coûté, ah il n'y a plus de prix dessus, ça m'a coûté 5 francs aussi la paire. Et ouais, je suis contente. Il est tout gris avec des petits boules en argent. Attendez, j'essaie, voilà, vous arrivez à voir avec la lumière, c'est pas évident. Voilà, donc il est magnifique. Alors ça, c'est pour la prochaine vidéo qui va arriver prochainement. Donc ils sont vraiment très beaux, moi j'aime bien ces coussins. Ils sont assez doux. En plus, ce qui est bien, c'est vendu avec les rembourrages. C'est pas comme chez Zara Home où vous achetez seulement les housses de coussins. Donc voilà, chez Conforama, donc j'ai pas acheté grand chose non plus. Et ensuite, on passe chez Leclerc. Moi, je veux vous montrer mon coup de cœur de ce haul. Quand j'étais tombée dessus, j'étais juste thank you God. Oh, j'étais très contente. Et non, je n'en revenais pas. Franchement, je n'en revenais pas. C'est ce drap ici. Ta-da-da-da. Mes amis d'Instagram, ils l'ont déjà vu parce qu'avec eux, je partage beaucoup de choses. Ils l'ont déjà vu. Vous voyez le prix? The price! Vous voyez le prix? C'est des draps Karl Lagerfeld. Je les voyais depuis un certain moment chez Leclerc, mais voilà, je ne voulais pas dépenser une fortune pour des draps. Moi, en général, j'achète mes draps chez Zara Home pendant les soldes, pas en plein tarif. Ou pour ceux qui habitent en Suisse, j'achète chez Manor ou chez Pfister, toujours pendant les soldes. Parce que c'est des draps qui coûtent très cher. Et pendant les soldes, quand ils bradent vraiment à 70%, là, vous pouvez faire vraiment des très bonnes affaires. Et moi, c'est comme ça que j'achète mes draps. Et ce drap-ci, je le voyais chez Leclerc, mais je ne me souviens même plus exactement du prix. Je crois que c'était plus de 100€, 120, 140€. Et là, la dernière fois, quand j'étais allée faire des courses, je suis tombée sur ces draps à 20€ en plus avec les thés inclus. J'étais là. Non, je suis juste trop contente. Regardez-moi ça. C'est un housse de divet. C'est du 240 sur 220. Et avec les deux thés inclus, vraiment, que demander de plus? Que demander de plus? C'est vraiment l'affaire du siècle. C'est l'affaire du siècle. Non, je suis très contente. Et avec ce drap, justement, ce que je vous disais tout à l'heure par rapport au thé d'oreiller de chez Zara Home, je veux vous faire une vidéo comment rendre son lit glamour, rendre son lit luxueux pour pas cher. Donc, je vais vous montrer quelques astuces comment rendre son lit glamour, baby. Je suis de bonne humeur aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Voilà, je vais vous faire cette vidéo. Il faut que je me concentre. Voilà. Donc, avec ce drap, plus les thés de chez Zara Home. Et ensuite, le même jour, hein, au même moment, j'étais tombée aussi sur ce drap housse, toujours Karl Lagerfeld. Voilà, ça m'a coûté 8€. Et bah, c'est avec tout ça que je vais vous faire cette prochaine vidéo. Non, j'ai hâte. Vraiment, j'ai hâte de vous montrer tout ça. Et en plus, il y a Cathy Dillam Beauty qui était pour cette vidéo. Elle voulait vraiment voir cette vidéo. Alors Cathy, je te fais de gros bisous. Donc, je suis en train de préparer la vidéo. Ok? Ok, baby?
Donc voilà pour ce coup de cœur, pour l'affaire du siècle, pour tout ce que vous voulez. Donc ce deux draps, le parure ici et le drap housse ici, c'est juste une aubaine. Voilà, donc je suis contente. Et on arrivait à la fin, c'était tout ce que je voulais vous montrer dans ce haul. J'ai été sage en termes de déco, je n'ai pas dépensé, oh. Pas beaucoup. Un petit peu seulement, un petit peu. Donc voilà, on a fini ce haul. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Si elle vous plaît, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus comme d'habitude. Donc des pouces en l'air, hein, les pouces en l'air là. Mettez le pouce en l'air pour m'encourager, ça me ferait énormément plaisir. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je me ferai vraiment un grand plaisir de vous répondre. Et sinon, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. On se retrouve dans une autre vidéo. Bye!